Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur le PC pour vous montrer comment changer le terme, donc le mettre en Win de, en Mac. Donc je vous mettrai le lien dans la description, vous inquiétez pas. Donc dès que vous avez le dossier, vous faites, donc vous faites pas ouvrir, vous faites clic droit, extraire ici. Désolé pour la qualité, je filme avec mon PC, avec mon téléphone, donc du coup je peux pas zoomer. Vous faites, donc dès que vous avez tout ça, ça met les dossiers qui sont là, et 5 dossiers là. Vous prenez celui-là là. Attendez, on va le déplacer là, le stop. Vous cliquez dessus, vous faites copier. Vous cliquez dessus, vous faites copier. Vous allez dans ordinateur. Donc oui, ça j'ai changé. Vous allez dans ordinateur. Vous allez dans disque local C, programme file. Vous le faites copier-coller, vous le laissez dedans, vous fermez, vous fermez, vous faites clic droit, nouveau, raccourci, vous faites parcourir, ordinateur, disque local C, vous le cherchez votre programme, donc regardez bien comment ça s'écrit, donc là, programme C, programme file, désolé je l'ai pas vu, donc vous cherchez, regardez bien comment ça s'écrit, il est juste ici, je vais juste avancer avec mon téléphone là. Vous voyez, vous cliquez dessus. Attendez, je filme avec mon téléphone, c'est pas vraiment facile comme je vous le disais. Donc, dès qu'il est ouvert, vous descendez. Et ça va être ça avec un petit carton. Vous cliquez dessus, vous faites OK, suivant, terminé. Donc là, il va s'ouvrir. Bon, là, c'est mon deuxième. On va mettre à poubelle. Hop. Maintenant, dès que vous l'avez, ça vous fait ça. Donc, je vais vous montrer de A à Z jusqu'à la fin. Donc vous prenez le premier en haut, vous attendez, ça fait ça. Donc là c'est pour supprimer, dès que vous avez installé le Mac, c'est pour le changer, pour revenir au Windows. Vous mettez la souris dessus, vous faites installer ce pack, installer ce pack. Vous allez au dernier là, donc vous prenez carrément le dernier. Là, la police on l'a pas, mais ça va nous de la télécharger après, c'est pas méchant, pour plus tard. Donc vous faites étape suivante. Là vous laissez comme ça, vous cliquez pas en dessous, vous le laissez comme ça, vous faites suivant, et là ça met un peu de temps à télécharger, vous inquiétez pas. Donc du coup je vais vous montrer aussi en prochaine vidéo, donc si ça vous intéresse, de comment changer, et comment avoir les deux boutons là, démarrer, arrêter et redémarrer, ici je vous montrerai comment faut faire, et je vous montrerai le nouveau menu démarrer que j'ai eu, que j'ai réussi à télécharger. Donc pour l'instant on est sur le Mac, donc on restera sur le Mac pour l'instant. Donc ça va mettre du temps, vous inquiétez pas. Après l'ordinateur ça va redemander le redémarrer. Faut le redémarrer. Et après bah il va se rallumer. Puis après vous allez tout avoir, les nouveaux logos là de la batterie. Donc vous avez la batterie, la Wi-Fi. On va avoir ça de nouveau. Le nouveau menu démarrer. Tout ça c'est des nouveaux dossiers, les dossiers jaunes c'est des dossiers bleus tout nouveau. Donc voilà, là ça met du temps. Là c'est en train de chercher, c'est en train de tout installer, donc vous inquiétez pas. Ne pas faire quitter, n'éteignez pas l'ordinateur, ni faites, ne pas faire la croix. Si vous faites la croix, bah ça va plus marcher. Donc désolé, je me répète pour la qualité. Je le fais avec mon téléphone. Si je le fais avec l'erreur avec Camstasia Studio, bah en fait bah ça coupe la capture, donc voilà, ça va télécharger. On arrive bientôt à la fin je pense. Donc voilà, le menu derrière il a changé, là au fond d'écran ça le fait tout seul, vous avez vu. Là ici on va avoir une nouvelle barre, donc je vais vous mettre bien loin en arrière. Donc je suis sur mon PC portable. Hop,
on a une nouvelle barre, donc je vais vous montrer ça pour comment la personnaliser, pour comment la, enlever ça, les passages piétons, les passages piétons, la mettre en bas et tout. Donc là, vous avez vu, il s'est mis. Voilà, là c'est fini. Donc ça a mis. Vous voyez, pas santé. Donc voilà, redémarrer mon ordinateur. Il va se redémarrer, en fait. Oui. Donc voilà, ça va prendre du temps. Hop, vous avez vu, ça a changé. C'est marqué Mac OS OS X. Arrêt en cours. Vous avez bien la pomme en haut du Mac. Donc moi c'est bien Windows. Donc là, il se rallume. Donc c'est bien en HP. Voilà. Vous avez besoin de démarrer. Le démarrage de Windows. Donc ça va pas changer en fait. C'est juste la personne. La notification. La. Comment ça s'appelle? Le thème et tout. Ça va changer le thème. Donc hop. Vous allez voir le logo, il va changer. Avant il était carré, maintenant il est rond. De ma photo, voilà. Donc là je rentre mon mot de passe. Hop, mot de passe rentré. Vous avez vu, c'est. À la base Windows, c'est un carré, il laisse un rond. Donc mon fond d'écran, il va rester comme il était. C'est eux qui l'ont changé. Donc je ferai plusieurs vidéos la prochaine fois sur mon PC. Donc pour changer un peu, voilà, les dossiers sont devenus bleus. Donc vous avez vu, les dossiers sont bleus et tout. Là, bon, là c'est la batterie, c'est séché. Le bouton, là, vous faites exécuter si vous l'avez. Moi je vais faire exécuter. Bon, ça c'est normalement, ça s'affiche. Voilà, ça vous l'avez pas, vous inquiétez pas. On va faire oui. Donc voilà, en haut la pomme elle est là. Donc la barre elle est venue grise. Là ici, oui, attendez, je vous oublie un peu. Hop. Là, ça a changé, là-bas ça c'est la batterie. Désolé, j'essaie de zoomer un peu. Mince. La base de la batterie elle est. Elle est, comment ça s'appelle, blanche. Le wifi est blanc, en principe le son est blanc, tout est blanc, en principe. Ça c'est normal, moi ça s'affiche, vous inquiétez pas. Donc le mieux ça c'est de faire personnaliser, masquer la barre. Donc c'est je masquer la grande barre qui est en haut, parce que ça me gêne pour le moment pour vous montrer. Donc vous mettez là, hop, comme ça. Vous faites attendez. Voilà, donc faites pas quitter sinon ça va tout enlever. Alors ça c'est pour un verrouillage de l'icône, vous faites paramètres. Là c'est pour vous pouvez changer le style, la police, le zoom, police par exemple. Alors on peut changer vraiment la police, on va mettre celui-là. Ok. Donc on peut tout changer, position. Vous allez dans la position, vous mettez la barre en haut, elle va se mettre en bas. Voilà, comme là. Moi je préfère qu'elle se mette. Moi je la préfère en bas. Non, en haut c'est mieux. La barre de démarrer, je laisse. Je vais la remettre en bas. Celle-là. Hop. Donc ça c'est pas pareil. Vous cliquez dessus, vous faites clic droit. Probabilité. Hop, vous le mettez. En bas. Ah merde, à droite. C'est en bas. Vous faites appliquer. Ok. Donc voilà, elle est en bas, moi je l'ai caché pour l'instant. Hop, là vous faites OK. Et là pour enlever juste ça, les petits trucs là, les passages plutons, j'appelle ça. Alors je sais plus, attendez. Je sais plus où c'est pour enlever les petites bandes bizarres. Je sais plus si c'est ça. Non, c'est pas ça. J'ai peur, c'est de me tromper. Ah, je sais plus comment on fait, c'est pas grave. Bah, vous avez vu, vous avez tout ça, après c'est à vous de. Si genre vous voulez rajouter le bouton démarrer là-haut. Ok, passe-mettre. Un dossier par exemple, mon film c'est un montage vidéo que j'ai fait.
Vous mettez le... Je sais plus comment on fait. Merde. Ben, je l'ai perdu. Ah merde. C'est pas facile de filmer avec une main et d'utiliser le téléphone avec une main. Donc vous le faites seul. Ok. Vous inquiétez pas, c'est le message internet. Bon bref, en principe vous pouvez le mettre là-haut, mais je sais pas pourquoi il veut pas le mettre. Voilà. Parce qu'en fait, il faut les effacer. Là, c'était convoluté qui dit c'est marqué verrouillage des icônes. Donc faut décocher, faut pas avoir la croix. Après vous chopez et vous le placez. Et voilà. Après vous l'enlevez comme ça ou vous faites clic droit, supprimer. Comme par exemple un seul petit change, je m'en fous, j'en veux pas, vous faites effacer. Bon après c'est les paramètres de la corbeille. Ça peut être intéressant, donc la corbeille elle a changé, l'autre elle a changé aussi. Je vais essayer de la choper et vous la montrer. Merde. Donc la corbeille elle a vraiment changé, tout a changé. Donc en principe là on pourrait peut-être les changer. Voilà. Donc il faut plus avoir le verrouillage, il faut l'enlever. Et dès que vous avez le petit passage piéton, je sais pas quoi, le truc qui sait pas, vous cliquez dessus, vous faites effacer. Comme là, je vous fais pareil, vous faites effacer. Donc voilà, mais après je peux tout vous montrer. La barre de démarrer, elle est juste en bas. Donc moi c'est comme ça. Donc je vais vous montrer dans ordinateur. Donc les disques durs, ils ont changé. Donc voilà, bah, c'était juste pour vous montrer que on pouvait personnaliser, vous pouvez personnaliser votre ordinateur en Mac. Si ça vous a plu. Bah, laissez un petit like, hein, les petits commentaires. Et la prochaine vidéo, je vous montrerai comment avoir les deux boutons démarrer, arrêt et la nouvelle barre de démarrer que j'ai en bas. Donc voilà. Portez-vous bien et c'est tout. Salut!